Eh bien, c'est reparti pour la quatrième session du forum Osons la France. Et pour une fois, nous n'allons pas rester en France, nous allons dépasser nos frontières et nous allons essayer de comprendre ce que le mot « oser » signifie ailleurs dans le monde. Nous allons laisser la parole à des hommes et des femmes qui ont mis en place des modèles ambitieux et innovants et qui pourraient bien nous inspirer, nous les Français. Mais avant d'écouter toutes ces personnalités, je vais laisser la parole à François Langlais, journaliste à BFM TV, qui va introduire cette session. Bonjour François, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Lourde charge que la mienne que d'introduire ce thème. Je vais le faire au fond à partir de l'actualité française contemporaine, ce débat de campagne électorale qui devrait, en bonne logique, être un moment où non seulement on ose, mais on réfléchit de façon un petit peu différente à nos problèmes. Et dans ce cadre-là, évidemment, comme vous l'avez dit, ce qui s'est passé ailleurs est une source d'inspiration, de motivation, d'espoir, d'optimisme devant des problèmes récurrents que nous n'arrivons pas à traiter. Et c'est vrai que, étant moi-même journaliste économique, étant, disons, observateur attentif de ces questions depuis une vingtaine d'années, j'ai vraiment le sentiment que jusqu'ici, en France, nous n'osons pas, justement, traiter les problèmes, notamment en matière de finances publiques, de re-engineering du modèle social français. Alors, juste quelques réflexions pour essayer de comprendre d'où vient le problème et justement en quoi l'exemple des pays voisins et amis peut nous inspirer. Il me semble que on entend dans cette campagne électorale tous les candidats qui disent on va s'attaquer au problème de l'excès de dépenses publiques. Et pour autant, quand nous les écoutons, nous tous, on a l'impression un peu d'un serment d'alcoolique, c'est-à-dire celui qui est toujours répété et qui n'est jamais tenu parce que il y a une forme d'addiction, justement. En ce sens-là, la métaphore avec l'alcoolisme est peut-être pas si inappropriée que cela. D'addiction à un mode de fonctionnement qui est le nôtre depuis des générations et dont nous ne voyons pas les limites. La réalité est pourtant simple, elle est assez cruelle. La France a besoin de 800 millions d'euros par jour, non pas pour rembourser ses dettes, mais simplement pour renouveler ses échéances. C'est-à-dire que nous avons besoin de cette somme faramineuse quotidiennement. Mais quand bien même nous l'avons trouvé, nous n'avons pas commencé à régler notre problème. On est juste dans la nécessité de prolonger un mode de fonctionnement qui n'est pas soutenable sur la durée. 800 millions d'euros par jour, c'est ce chiffre-là qu'il faut garder en tête. Et quand on voit les candidats face à cela, qu'on leur présente ce chiffre, on a toujours le sentiment qu'il y a un peu une réaction, disons, d'évitement. Pas complète, hein, pas tout à fait. Et en tout cas, elle n'est évidemment pas motivée par des problèmes d'incompréhension, mais par ce que les candidats perçoivent comme la difficulté politique d'agir. Et alors, quand on compare à cela l'exemple, notamment l'exemple canadien dont Jocelyne parlera tout à l'heure, l'exemple suédois, ce sont deux exemples qui datent d'ailleurs d'une quinzaine d'années maintenant, mais on voit qu'il y a des pays riches, avec des sociétés aussi évoluées que la nôtre, qui ont pris de face ces questions-là à une époque où, justement, ils ont été au pied du mur. Et c'est un peu ça qui fait réagir l'alcoolique en général, c'est quand sa femme le quitte ou que son médecin lui dit « il faut arrêter ». Paradoxalement, la France, même si elle est dans une situation assez critique au plan de la finance publique, ça n'est pas encore, elle n'a pas encore le sentiment de toucher la fin de ce modèle-là. Et je crois que ce que nous enseigne, mais sous bénéfice de confirmation à la fois par Jocelyne et par Jaime tout à l'heure, l'exemple des pays qui ont traité ces problèmes, c'est que la première étape indispensable là-dedans, dans ces processus-là, c'est la fin du déni. La fin du déni de réalité. Et je pense que nous sommes tous collectivement encore dans une forme de déni. Ça va probablement pas durer. On a toute raison d'être optimiste et de penser que justement
ce déni un jour ou l'autre par la force de la nécessité, de la réalité. La réalité, vous savez, c'est vrai dans toutes les crises, à la fois les crises de société comme les crises de l'individu, elle frappe généralement au carreau assez discrètement, et puis de plus en plus fort, et si on ne l'écoute pas, elle s'exprime de façon très violente, très vigoureuse, et il faut l'écouter. La France n'en est pas encore là, mais elle n'est probablement pas loin de ce moment-là. Et à ce moment-là, en général, on en a fini du déni, c'est-à-dire qu'on dit « oui, il y a bien un problème qu'il nous faut traiter ». C'est ce que je crois que c'est, par-delà les différences de méthode, parce que les méthodes ressemblent au fond à chacune des sociétés qui les expérimentent, chacune a ses particularismes, c'est sa culture, et ce qui est possible dans un pays comme le Royaume-Uni ne l'est pas forcément littéralement en France. Donc bien évidemment, chaque société choisit son chemin, mais l'élément commun, c'est que à la source de toute rénovation, de toute réforme, de toute tentative justement pour oser, il y a une prise de conscience partagée du problème, c'est-à-dire le fait de dire « oui, je reconnais le problème que j'ai à traiter ». Et qu'il est possible qu'en France, nous soyons tout près de ce moment-là. Malheureusement, l'élection en tant que telle, l'élection présidentielle, elle a fait affleurer ces questions-là, mais je ne suis pas sûr qu'elle les ait fait traiter dans toute leur ampleur. Mais il est possible que ça se passe après, juste après, quel que soit le candidat, parce que le propre de la réalité, c'est qu'elle ignore. Elle ne veut pas considérer celui qui sera élu, elle s'exprimera en son nom propre, et il faudra que, quelle que soit la personnalité et la nature du candidat, il compose avec la réalité. Tout ça pour dire que finalement, et c'est un message d'optimisme, c'est que dans ces questions-là, ça n'est jamais la complexité technique des problèmes qui pose une difficulté. Il y a une réponse technique à tous les problèmes techniques. Et que le principal problème, c'est, problème, en tout cas l'enjeu, et il me semble que c'est celui de notre pays aujourd'hui, c'est de construire un diagnostic partagé et donc de définir les contours justement de ce que nous pouvons être à horizon de 5 ans ou 10 ans. Et que nul doute que nous n'y parvenions au terme d'un chemin qui rétrospectivement nous semble long, mais qui en tout cas ouvrira certainement la voie à une réforme et une rénovation du modèle français. D'autant plus importante, je crois qu'il y a un élément qu'on ne prend pas assez en compte, et ça sera mon dernier mot, c'est la poussée démographique des générations qui montent. À bien des égards, la crise que nous vivons est celle d'une génération. Non pas qu'elle en soit responsable, mais c'est celle qui est au pouvoir, et c'est celle qui a aussi d'ailleurs œuvré pour la prospérité du pays à l'époque où nous l'avons connue, mais c'est celle aussi qui, par les simples lois de la vie, va quitter le pouvoir aussi, demain, après-demain, après-demain. Peu importe, le terme n'est pas vraiment un sujet. Et que derrière, il y a une autre génération qui monte, celle des trentenaires, des quadragénaires, et que celle-ci, elle aura précisément un regard neuf sur des problèmes anciens. Et je crois que c'est le meilleur motif d'espoir que nous puissions avoir. Merci à vous. Merci beaucoup, François Langlais.